Donc on va se la regarder après. Par contre, Real Barça. Real Barça, ça fait mal. Alors, il y a une réalité que j'ai lue sur Twitter. Je crois que c'est Elias qui disait ça. Elias Belif, qui est d'ailleurs, je crois, qui est un très bon youtubeur que je vous conseille, qui parle de foot. Il disait. Je sais pas si c'est lui qui disait, c'était peut-être quelqu'un d'autre. Mais il y en avait un, et ça, j'ai vu le tweet passer dans ma TL. Il disait, et à juste titre, que le Real, quand il domine le Barça, donc notamment ses 4 ou 5 derniers classicos, il y a rarement des gros scores humiliants, même quand le Barça pue la merde. Par contre, quand le Barça démonte le Real, c'est vrai qu'en général, ça y va pas avec le dos de la cuillère. On va pas se mentir, c'est vrai que ça y va pas avec le dos de la cuillère. Et là, ça a été un 4-0, et je pense que sur 10 ans, tu peux sortir plein de fois où il y a eu des 4-0, des 5-1, 5-0 et compagnie, quoi. Ce que je veux dire, c'est que quand le Barça envoie, et bah, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Alors qu'à l'inverse, c'est vrai que le Real a du mal à envoyer ses gros scores bien humiliants pour le Real. Après, à côté de ça, franchement, le Real Madrid, vous savez très bien ce que je pense. Vas-y, tu sais quoi? On va voir si vous écoutez vraiment, D'après vous, c'est quoi, à mon avis, les problèmes du Real? Merci, Thial, pour l'abonnement offert. 999, tu m'aimes bien, quand même. C'est quoi, en partie, les problèmes du Real, en dehors, bien sûr, de l'absence de Benzema, qui, bien sûr, est très préjudiciaire. Voilà, merci, les amis du chat. Mais vous voyez, on est en phase. Voilà, je vais vous parler français. Ce milieu d'EHPAD, ce milieu Casemiro, Kroos, Modric, même s'il y avait aussi Valverde, ce n'est plus prêt pour faire face à des milieux de cocaïnés. Donc c'est-à-dire que c'est trop drôle parce que le Real essayait de presser un petit peu, puis dès que le Real pressait, bah du coup les milieux montaient, ce qui créait un espace entre les milieux et la défense que le Barça exploitait. Et en plus souvent, dès que les milieux barcelonais réussissaient à avoir le ballon, bah, ils avaient la qualité technique pour se sortir des quelques pressings qu'ils subissaient, notamment Pedri, notamment De Jong, c'était propre, tu vois, et Pedri, trop fort. Mais le Real, vraiment, dans un futur très proche, il va falloir commencer à le comprendre que Casemiro, Kroos, Modric, ça ne se sort plus dans ces conditions. Et je l'ai dit au tirage Real Madrid-Chelsea, contre Chelsea, tu sors Casemiro, Kroos, Modric, ce n'est pas possible. Surtout que le Real Madrid, cette saison, dans les gros matchs, a surtout joué en transition. C'est-à-dire qu'ils ont même pas été en contrôle de ballon. De toute façon, le contrôle du ballon, c'est plus trop possible du côté du Real. Donc quand tu joues en transition, tu veux faire quoi quand t'as deux des trois milieux qui ont une mobilité d'action man, frère? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que t'es obligé de jouer avec des Valverde, t'es obligé de jouer avec Camavinga, tu vois. Alors, il y avait Valverde sur le terrain, et on a compris le but. Mais là, le Real s'est juste fait complètement graille, en réalité. Et bon, après, là, le problème, c'est qu'il y avait aussi pas Benzema, ce qui a forcé un petit peu des merci, Escalope, pour ça, pour ça. Ça a offert des bizarreries et tout, mais non, c'était pas bon. Merci, Sulissane, pour ça, que ça vous fait. Vous êtes en train de faire péter les sables, les frères, ça fait super plaisir. Contre le PSG, ça allait le milieu, ça... Non! Non. Justement, je sais même pas comment tu peux dire ça, frérot, sans manque de respect. Contre le PSG, à l'aller, le Real se fait bouffer le cul avec ce milieu-là. Contre le PSG, pendant 60 minutes, le Real a ses quelques phases, mais se fait bouffer aussi. Et c'est quand que c'est allé mieux contre le PSG? Vas-y, en dehors du but donné par Donnarumma, c'est quand que dans le jeu, le Real a été plus cohérent? Moi, je vais te dire quand est-ce que le Real a été plus cohérent. Le Real a été plus cohérent avec deux choses. Quand Valverde et Camavinga sont rentrés, donc quand Kroos a été enlevé en 6, donc, pas Valverde, parce que Valverde, vous avez capté. En gros, plutôt quand Camavinga est rentré, pour remplacer Kroos, et quand Nacho a quitté l'arrière-gauche, et que ça a été Alaba qui a été mis là-bas. Quand ils ont commencé à faire ça, là, ça a commencé à fonctionner. Dès que Toni Kroos est sorti, c'est allé beaucoup mieux. Et je pense que même sans le but donné par Donnarumma, le Real aurait au moins mieux attaqué, sans dire qu'il serait passé. Donc oui, moi, ce Real Madrid, Ancelotti, je sais pas si c'est pour des prérogatives de vestiaire, je sais pas s'il a pas de couilles, je sais pas s'il a pas d'idées, je sais pas s'il tente pas. Ouais, même l'entrée de Rodrigo à la place d'Asensio, t'as totalement raison. Mais là, what the fuck, tu vois. Après, à côté de ça, frère... Je sais pas, il fait rentrer Mariano. T'as toujours des questions, tu vois. Je sais pas, Hazard, Jovic, c'est vrai. Je sais pas. C'est vrai que Eden Falzar, là, au bout d'un moment, son cas est bizarre, quoi.
Enfin, son cas est très bizarre. Franchement, Eden Falzar, son cas est très bizarre. En tout cas, franchement, pour en revenir sur ça, le Barça a très bien joué. Le Barça, gros match, grosse intensité, gros pressing. Ça a très bien fonctionné. Ça a gêné le Real qui, à des moments, s'est retrouvé obligé de balancer des longs ballons sur Vinicius en YZ avec un gros scooter dans le cul comme si c'était Chiesa à l'Euro, tu vois. Le milieu du Barça a bouffé le milieu du Real, ça c'est clair. Et le Real Madrid a eu des défaillances individuelles avec des mecs un peu fautifs de partout. De toute manière, ça a été vu directement. Je crois que c'est en début de seconde mi-temps où le Real balance le ballon, se bat pas pour aller. Donc ne monte pas en bloc. Et puis après, derrière, se retrouve haut. Et derrière, un long ballon et oh! Oh, bah attends! Oh! Mais on s'est fait bouffer le cul. Donc vraiment terrible. Araujo, c'est vraiment trop fort. Oui, Araujo fait un très gros match. Rien à dire. Ça a été propre. Depuis 2019, zéro classico joué sur 7 pour Hazard. Ah ouais, non, mais Eden Hazard, il a été foutu à la poubelle, frère. Il a vraiment été foutu à la poubelle. Hein. Non, franchement, c'était terrible. Pourtant, vu les leaders qu'il y a, tu peux tenter aisément des jeunes sans risquer le naufrage. Bah, moi, vraiment, pour moi, c'est ces problèmes-là. Par contre, oui, et là, je suis d'accord. On va parler vite fait. Pedri est absolument fabuleux. Il y a un moment, il reçoit le ballon, et là je pense que vous allez le voir ce moment, il reçoit le ballon sur le côté, il réussit à se défaire un peu de Modric et de son pressing, et là il balance un petit ballon, c'est un petit ballon limite un peu extérieur du pied pour Aubameyang de la surface, je crois que c'était. Ah oui, c'était fort. Ah oui, oui, une cuillère, ouais, exactement. Ah oui, c'était pour Ferran, t'as raison, c'était pour Ferran, ouais, c'était pour Ferran. Et après Casemiro revient sur la frappe, oui, c'était pour Ferran. Oh là 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 là. Waouh. Ouais, non. Ça, c'était quelque chose, ouais. Eh, ça, c'était quelque chose, en tout cas. Donc oui, le Barça fait un très bon match. Non, le Real Madrid a suffisamment de points pour essayer d'éviter de se chier dessus et quand même péter cette Liga en attendant leurs nombreux transferts qu'ils auront besoin de cet été. Je pense que le Real Madrid a besoin de... Je pense vraiment que le Real Madrid va avoir besoin, à un moment, de transitionner doucement et messieurs Modric, Kroos, Casemiro, petit à petit, commencer à penser à l'après, tu vois. Un peu comme le Bayern peut faire de temps en temps, tu vois, quand ils recrutent des mecs pour le next et qui commencent à les intégrer de plus en plus. Alors certains me diront qu'Amavinga fait un peu ça, je suis d'accord. Mais je pense que le Real Madrid a aussi besoin d'un top milieu. Mais genre d'un top milieu titulaire pour prendre la place d'un Kroos qui pour moi est le plus préoccupant. Genre limite Casemiro, je pourrais entendre qu'il joue encore un peu. Quoique certains me diront qu'un autre type de 6 pourrait faire du bien. Je ne vous contredirai pas spécialement. Hein. Je pense pas que c'est des mauvais joueurs en tant que tel. Je pense, en gros, pour être tout à fait honnête, histoire de parler français, je pense pas que Kroos, Casemiro et Modric, c'est des bites. Déjà, Modric est excellent. Kroos, il a ses qualités et en termes de contrôle, etc., de rythme et tout, il est dans ce qui se fait de mieux en Europe. Et Casemiro, bon, on connaît ses forces, c'est un déménageur. Et en plus, au-delà d'être un déménageur, il est pas si naze techniquement. Je dirais plutôt que c'est l'association des trois, en fait. C'est l'association des trois qui, à mon sens, ne fonctionne plus. Donc pour moi, il leur faut un bon top milieu, tu vois. Il leur faut un bon top milieu pour aider à tout ça, tu vois. Il faut ça, voilà, tout simplement, c'est mon avis. Alors oui, les amis, je dis Toni Kroos. Hein. Je dis Toni Kroos, je m'en bats les couilles. Vous n'allez pas me faire la remarque à chaque fois, Kroos, Kroos, Chris, je m'en bats les couilles. Je vais pas dire Kroos, je m'en fous, Toni Kroos, Kroos, comme le Kroos, voilà, c'est bon. À chaque fois que je parle de foot, il y a Kroos, il a dit Kroos. Les gars, à chaque fois, tu vois. Donc bref. Ouais, en réalité, donc pour finir ce que je disais, comme je l'ai dit, pour moi, c'est pas Kroos, Casemiro qui sont nuls individuellement, c'est que c'est l'association des trois qui n'est plus possible dans des matchs à haute intensité, dans des matchs qui vont être très demandants en physique et en effort. Et ces trois-là ne sont plus optimales, on va dire, enfin, la combinaison des trois n'est plus optimale. Donc pour moi, il leur faut un top milieu, en plus de régler ce problème en attaque, mais qui devrait être, on l'espère, en tout cas moi je l'espère pour eux, réglé par le grand Kiki Babs, voilà, comme on l'appelle chez moi. Voilà, voilà. Et le Barça, bah, continuez votre construction, très très bien. Franchement, je l'ai déjà dit, les profils d'Obama et d'Adama Traoré, alors dans le profil, je pensais que c'était bon, parce que tu sais, ils identifiaient un manque, donc il leur manquait de la profondeur et de la percussion, donc ils se sont dit on va recruter en ce sens. Moi j'étais là, ok, sur les manques propres, sur le profil aussi, j'avais quand même quelques doutes sur la capacité d'Obama et d'Adama Traoré d'être, genre, on va dire, pertinent pour ça. Bah ils m'ont fermé ma gueule, ça marche très bien, Obama est totalement au niveau, même Ousmane Dembouz emoji flamme joue bien, et ça,
Même Ousmane Dembouz et Mojiflame jouent très bien. Donc franchement, propre. Propre. Rien à dire, c'était joli. C'était joli. Pour toi, rouge pour Obama. Bon, on m'en fout un peu pour être honnête. Et même pour être tout à fait honnête, dans les 10-15 dernières minutes à 4-0, j'ai coupé. Je faisais autre chose. Il y avait le monstre avec qui je vis là qui voulait faire autre chose. Donc voilà, tu vas nous mettre le résumé? Bien sûr que je vais vous mettre le résumé, les amis. Donc on discutait là comme ça maintenant. Maintenant on va y jouer. Ousmane joue bien, il n'a pas encore signé de contrat à longue durée. Et franchement, c'est mon avis, mais même s'il fait quelques bonnes... Même s'il est bon ces derniers temps, voilà, je le reconnais. Pour moi, Ousmane Dembélé reste un transfert quand même pas ouf au Barça, et même si comptablement ça les aiderait bien, moi je le re-signerais pas. Mais c'est un avis. Après maintenant, tu vois, il y a Xavi. Xavi, ça marche bien. Et surtout, en fait, le côté important pour le Barça de gagner ce soir, c'était de poinçonner, tu sais, ce ticket qui te valide les progrès, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu valides ça, en fait. Tu valides par un gros match en Liga une grosse victoire. Alors déjà, il y avait la victoire contre l'Atleti, il y a quelques semaines, vous vous en rappelez. Ça, c'était déjà annonciateur de belles choses. Et là, tu le valides sur un classico, alors que tu galérais depuis 2 ans et quelques. Donc, propre. Franchement, du progrès et tout, c'est nickel. Bien joué à eux. Voilà.